Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans le challenge de Ace et Marco niveau 100. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Cette vidéo est tournée le 4 janvier et sera publiée le 4 janvier également à 18h. Donc, on y go, on va voir ce que ça va donner. Donc, on va tester Ace et Marco avec Jinbe. Du coup, on agrandit un peu ça. Ok, et c'est parti, et c'est parti. Donc, ça serait leur barque. Et en plus, avec ce qu'on peut gagner dans cet event, donc on gagne au total 10 diamants, suivi de, si j'ai pas de bêtises, 50 fragments de 4 étoiles, de 4 étoiles de pièces, ouais, non, de 5 fra 50 fragments. Donc au début je crois que c'est 20, puis non, 30, puis 20 ou 20, puis 30. Donc ça nous permettra d'économiser pour au cas où si on n'arrive pas à passer avec les invoques pour le step up qui compte arriver au jour de l'an, enfin au jour de l'anniversaire. Je pensais pas qu'il allait l'éviter, mais ok. Il a pris des dégâts ou pas? Ouais, je vais le soigner. Ok. C'est trop simple à éviter en fait, c'est ça le problème de cette attaque. Un peu tendu, je parle pas trop parce que je suis concentré. Donc la brûlure, normalement je devrais pouvoir le buter. Ah, je suis débile, je suis allé dans sa zone aussi. Ouais, je sais. Ah ouais, mais voilà les dégâts aussi. Donc là on va basculer sur Jinbe. Bah je perds le buff, mais vas-y tranquille. En vrai c'est mon premier test du perso. Pourquoi ça veut pas attaquer? Je sais pas pourquoi ça voulait pas attaquer. Non, ça va, on gagne. On est à l'aise. Même s'il essaie de capturer, là on gagne. Donc tranquille. Ok. Le premier test c'est pas au top du top. Donc on va voir un peu ce que ça va donner si on peut utiliser les mêmes persos. Donc on continue. On recommence, on va voir ce que ça va donner. On va modifier parce que Jinbe, je suis pas fan de son gameplay. Donc on va
prendre un autre perso. Lui, j'ai bien le testé. Et j'ai quoi comme autre perso? En fait, non, du coup, j'ai resté comme ça. Le but, c'est juste de bien voir ce que X donne au niveau 100. Après, là, j'étais même pas contre type, j'étais contre, comment il s'appelle? Enfin, j'étais dans le bon contre-type, mais j'ai pas fait beaucoup de dégâts. J'ai fait total 1600 de dégâts avec la compétence. Je crois que j'ai pas chargé à fond. Bon, en face, ça joue. Alors, Mihawk et Lucci transformation. Et Mihawk, ok. Mihawk, comment il s'appelle? L'épée le plus fort, si j'ai pas du monde, si j'ai pas de bêtises. N'oubliez pas que cet event part dans 3 jours, donc faut en profiter maintenant pour gagner vos 10 fragments là. Qui plus est, avec les campagnes qu'on aura d'ici le 11, on gagnera 50 fragments avec les events et tout. Ouais, j'ai quasiment buté là. Ok, c'est gratuit. En vrai, c'est un bon perso. Et lui, il va me saouler. Plutôt elle va me saouler. C'est passé quoi là? Faut que je bouge, j'ai besoin. Ah pas là là. C'est ça qui m'énerve, la caméra là. Elle est bizarre la caméra sur ce jeu. Donc on bascule là-dessus. Ils ont capturé ces deux là. On va aller charger d'abord celui-là à fond. Combien là? Ok, bientôt au max. On va aller capturer l'autre. Aujourd'hui, je charge à fond. Par contre, il n'y a personne qui court, ça va être tendu. Ok, bah du coup, je vais aller capturer celui-là. En vrai, là, le bouclier, il a bien servi. Hein. Impeccable, je bute. Est-ce qu'on capture l'autre? Non, c'est bon, normalement on gagne sur ça. On devrait gagner sur ça. Ok, impeccable. Ouais, ça reste une bonne unité. En fait, j'essaie de bloquer les gens dans les coins, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc, je pense pas avoir un Katakuri. On va faire un petit dernier test du perso niveau 100. Après, ce qui est dommage, c'est que on n'a pas tous les buffs supplémentaires, donc on peut pas savoir
combien exactement on va faire de dégâts. Mais après ça va, ça reste une bonne unité, même si l'unité qu'on a eu juste avant était meilleure. Si j'ai pas de bêtises. Non, avant Zoro Dressrosa, je parle de comment il s'appelle. J'ai complètement oublié son nom. Luffy, l'alliance avec Law. En fait, ils ont que des éléments verts et rouges en face, donc à l'aise. Liste. Ok, les gens ils jouent beaucoup avec avec ce Mihawk. Hein. Il est très présent dans cet event. Sur mes trois parties là, j'ai dû tomber 4-5 fois dessus. En vrai, il y en a qui voudront sûrement venir. Non, en fait, non, même pas. Ouais, il est sérieux lui à travers le truc. Ok, on va dire que j'ai raté l'esquive. D'accord, ben j'ai raté les deux esquives, c'est normal. Ok, ok. On va aller de l'autre côté. Ouais, c'était sûr qu'il voudrait le capturer. Ok, donc je le recapture. Je reste sur le point. Même si c'est pas à moi de le faire, de toute façon il faut que j'attende qu'ils perdent leur truc. Vite, 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 surtout pas Kaido. Je m'éloigne un peu. Il a déjà esquivé en plus. Ouais, par contre, ouais, longue distance. Ils étaient trois sur moi là, c'était tendu. Je prends ça. Je prends ça. Je gagne en mobilité. Ok, impeccable, une capture. On reste là-dessus. Ok, impeccable, on gagne. Impeccable. En vrai, il y a largement de meilleures unités que celle-là. Hein. Il y a largement de meilleures unités que celle-là. On va tester une autre unité. Je vais enlever Rob Lucci. Je vais changer Rob Lucci. Je vais prendre. Je vais prendre donc on va partir
On va partir. Ah ben ouais. Du coup, ouais. Ça me permettra de voir un peu. Ah lui, je voudrais bien voir ce qu'il donne. Ouais, je voudrais voir ce qui est-ce qu'il vaut le coup d'être monté niveau 100 ou pas. Ok, c'est le dernier test du Ace niveau 100. Même si on n'a pas les pièces, même si on n'a pas les buffs et tout. De toute façon, là, on se répare juste pour les 2 ans du jeu. Ah, ça nous sort un César et un Okiji. Ok. Du poison et du gel. Bah après, le reste, ça va. Même si ça reste de bonnes unités, ça va. Comparé à l'autre qui va garder le pont pendant un gros moment. En fait, ça a le compteur, c'est bien ça. Ouais, là ils m'ont pris dans leur truc à 3 contre 1, ça a étendu. C'était sûr, je voulais t'imposer pour l'ulti, enfin pour la régène, mais la zone de poison plus les dégâts de zone de l'autre, c'est étendu. Bon, Kabaji, on va voir un peu ce qu'il donne. Juste un. Il a buté, j'aurais pas dû l'utiliser. Ok. Donc là, il est. Ah, ça rigole pas. Ça rigole pas ces persos. Hein. D'ailleurs, je crois pas que j'ai Shank sur ce compte. La cible qui marche pas. Pourquoi il frappe là? C'est complètement débile. J'ai la caméra là, il frappe à côté. Fous de moi vraiment, mais c'est n'importe quoi. Ok, impeccable, je bute, on le capture. Impeccable. Normalement, ils reprennent pas l'avantage. Ok, impeccable. En vrai, le perso il est intéressant seulement quand la jauge est remplie. Sinon, à part bloquer les ennemis et soigner, il sert pas à grand chose. Hein. Même pour garder un pont, c'est tendu pour lui. Donc voilà, c'était le petit test de Ace, Marco, Jinbei, Rob Lucci, première version. Après, c'est vrai que j'ai pas été très bon. Mais ça va. J'ai pas été dégueu non plus. Donc voilà.
Merci d'avoir regardé la vidéo, lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi sur mon Discord, les gars. Ciao, ciao.